6 mai 2008, expérience 3, un monde transformé. Le lendemain matin, je me réveille avec une sensation étrange. Je n'ai plus la sensation de brûler, mais j'entends toujours cette chute d'eau lointaine qui se met à rugir dès que j'y porte attention. Je suis toujours traversée par un flot continu d'énergie et mes sensations du toucher sont étendues au-delà de mon corps. Je sens tous les objets situés jusqu'à 10 cm de moi comme si je les touchais. Comme si les contours de mon corps, pourtant bien définis jusque-là, avaient été remplacés par un fondu enchaîné avec mon environnement. Je me lève en attendant que cela se dissipe, mais il n'en est rien. Au contraire, en traversant ma chambre, la sensation se transforme. J'ai plus que jamais l'impression d'être une méduse qui parcourt un océan en étant traversée par l'eau dans laquelle elle navigue. Et cette eau n'est pas toujours propre. Suivant les endroits où je suis dans la pièce, ça brûle, c'est froid, ça pique. Ça a même un goût très étrange. Je sens le goût de mon environnement par la peau et même au-delà de ma peau. Cette sensation est tellement plus forte que les sensations physiques normales, que la sensation de mes pieds sur le sol paraît faible en comparaison. Je m'habille tant bien que mal en me décidant à aller suivre mes cours. Après tout, ça va peut-être passer en allant prendre l'air. Je sors et là, les bras m'en tombent. Le monde s'est complètement transformé pendant la nuit. Les arbres qui n'avaient jamais attiré mon attention jusque-là ressemblent à des diamants multicolores qui brillent au soleil. Je ne me rappelle pas avoir vu les couleurs ainsi avant, ni une lumière aussi intense dans le ciel. Je reste stupidement la bouche ouverte en regardant une rue banale que j'ai contemplée toute ma vie, complètement transformée. Mon cerveau disjoncte latéralement. Il reconnaît bien l'endroit, mais il me crie que ça n'est plus le même. C'est comme passer d'un vieil écran de télévision minable aux couleurs éteintes à un écran géant haute définition. Et puis cette sensation d'énergie qui pique et brûle me glace littéralement suivant les endroits du trottoir, et puis ce bruit dans mes oreilles qui va et qui vient. D'un coup, quelqu'un me traverse littéralement. En fait, il vient de passer à plus de 2 mètres de moi, mais j'ai senti clairement son goût, celui de son énergie. C'est la chose la plus intime que j'ai pu ressentir avec quelqu'un. Nous avons littéralement fusionné pendant quelques instants et j'ai senti son énergie fusionner avec moi et m'emplir entièrement de son goût. C'est fou, j'ai l'impression de boire les gens et je croise comme si nous nous traversions littéralement. Je ne rêve pas pourtant, je crois même que je n'ai jamais été aussi éveillée de ma vie. Et là, la peur me saisit vraiment. Si j'avais eu une éducation religieuse quelconque, je crois que je serais tombée à genoux en criant que la grâce m'a touchée. Seulement voilà, il n'en est rien, et pour moi il n'y a qu'une explication possible, je viens de devenir complètement fou. À qui en parler? Comment faire? Après tout, si je suis fou, on va me donner des cachets et ça ira mieux. C'est la seule manière de gérer cette situation à ce moment-là. N'ayant pas de prêtre ou de dieu vers lequel me tourner, je fais ce que tout bon citoyen doit faire. Je vais consulter un psy afin qu'il me confirme que je suis bien fou. Ça n'est pas possible autrement. Si le monde était vraiment aussi beau, les gens le sauraient et on me l'aurait dit non. Alors un seul choix, direction le psychologue et lui pourra me dire quoi faire.